English lessons for beginners. Hello, how do you do? It's Michael again. Apprendre une langue étrangère devient plus abordable à partir du moment où vous avez la bonne approche. Pour avoir une excellente approche, il faut se fixer des objectifs. Il faut être motivé, donc très motivé. Imaginez par exemple un enfant qui vient de naître dans un pays dont il ne connaît pas la langue, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. C'est à force d'entendre les mots, de se les entendre répéter par les parents, par les gens qui l'entourent, plus l'école plus tard, qui vont lui permettre de lire, d'écrire. Donc la méthode est relativement importante, à savoir qu'il va falloir écouter, écrire, s'exprimer et consacrer du temps. Pour mieux appréhender une langue, il faut se mettre en condition. Donc il faut se mettre en mode d'apprentissage. Pour la mise en condition, je vous donnerai à chaque fois un petit air musical qui va vous permettre, juste au départ, l'espace de 1 ou 2 minutes, les moyens de vous détendre et de vous mettre en condition. Il va donc falloir, après cette détente, que vous écoutiez, que vous habituiez votre oreille à la langue et surtout, travaillez chez vous, c'est impératif, car sans travail personnel complémentaire, même en cours en présentiel avec un professeur, eh bien, vous aurez beaucoup de difficultés à vous en sortir. Nous arrivons donc sur les motivations qui sont relativement importantes. Si vous êtes simplement curieux, vous n'irez pas plus loin, vous abandonnerez vite et vous trouverez toutes les bonnes mauvaises excuses possibles. C'est trop fatigant, c'est trop compliqué, j'ai perdu l'habitude d'étudier, ça n'est plus pour mon âge, comme je le disais dans la première vidéo. Tout ça est faux. Si vous suivez notre méthode, vous y arriverez et vous y prendrez même du goût et du plaisir. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir la méthode de travail et la manière donc dont nous allons travailler. See you!